Que ton ciel nous soit accessible ce matin. Alléluia, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te couronnons, roi de roi, ce matin. Nous te déclarons, Seigneur des Seigneurs, ce matin. Yekene yeke shikana baba. Yemokona yeke shikene kese. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence ce matin. Nous voulons yeke shik. Que nos bien-aimés chantres ne puissent pas nous conduire dans la chair ce matin. Nous voulons les kédeshim à l'ékesse. Yakane kese keshi. Que nous soyons conduits, Seigneur de la gloire, au travers de ton esprit. Alléluia. Oh, là où est l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Là où est l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Là où est l'esprit de Dieu, et kédeshi kandakabase. Lequel notre esprit ne peut se présenter. Là où il y a l'esprit de Dieu. Sois couronné. Je soumets au bas de ta Seigneurie Jésus-Christ.
histoire de cœur, c'est une histoire de parcours, c'est une histoire de rencontre. C'est lui ou celle qui adore Dieu, c'est celui qui a rencontré Jésus-Christ. Et ça, quand tu fais cette rencontre, ta vie ne peut plus rester la même. Comment peux-tu rester de marbre devant mon âme bénie l'Éternel? Il l'a tellement fait et il continue de faire encore. Non, s'il fait ce qu'on veut, on peut encore l'acclamer, l'acclamer. Des villes désertes. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes, des escarboucles et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera point de toi. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je prends une toile à clamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer son Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut danser pour la gloire de son Dieu ce matin? Alléluia. Il y a un bien-aimé qui a chanté, il a dit, il est allé dans un lieu de deuil. Il a vu les gens qui pleuraient. Il s'est jeté par terre. Il s'est roulé dans la boue. Il regarde, il dit, mais pourquoi? Parce qu'il était en train de pleurer. C'est lui qui est venu de mourir. Mais lui, maintenant, il s'interroge là où il y avait les gens qui pleuraient. Il s'est dit, maintenant, comment devons-nous pleurer, danser, chanter pour celui qui est non seulement mort,
enseveli. Il est allé dans les régions profondes de la terre. Il y est resté 3 jours. La Bible dit le 3e jour, il est revenu à la vie. Il ne s'arrête pas là. Hein? La vision de Zacharie, le grand prêtre Yahushua Mashiach, revêtu de vêtements sales. Dieu dit, ôtez-lui les vêtements sales. Revêtez-lui des vêtements d'une blancheur éclatante. Il ne s'arrête pas là. Il va s'asseoir à la droite de Dieu. Hein? Quand on a en nous ce Dieu, c'est pas de la rigolade. Il faut voir les gens qui louent, qui dansent de l'autre côté. Il ne s'arrête pas simplement à louer, mais il donne l'argent. Quand il dit, maintenant, comment devons-nous louer et danser? Bien-aimé, pour celui qui nous a sauvés. Lorsqu'il est mort, il t'a pris. Il a pris ta vie. Tu es sorti. Une nouvelle création de toi est née. C'est ce Dieu-là que non. En fait, il faut rencontrer Christ. Quand tu les rencontres, ces choses, on ne te dira pas. Ça coulera des sources. Est-ce que tu es prête à louer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es prête à louer le Seigneur? Encourageons l'équipe de chant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est...
aller te mettre en haleine. Adoration, la louange. Qui n'a pas dansé, j'espère que même dans la salle de bain tu danses, j'espère. J'espère que même dans ta salle de bain quand tu te laves, je suis restauré, j'espère, parce que ça c'est vraiment triste. Tu bouges même pas, fixé et droit. Jésus, comment tu peux rester de... Ah non. Non. Tes serviteurs de Dieu qui se roulent par... Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es un enfant. Lui seul est roi. Lui seul est Dieu. Et des moments comme ça, ce sont des moments de qualité. Ce sont des instants précieux. Nous devons en profiter. On ne sait pas ce qui va se passer à la sortie de ce lieu. Alors vis les instants comme si c'était tes derniers instants. Adore Dieu, loue Dieu. Ne sois pas raide, ne sois pas. Vraiment, pendant qu'on était en train d'adorer, de louer, ça, j'ai dit, dans mon cœur, j'espère qu'il y en a même dans leur salle de bain. J'espère, vraiment. C'est ma prière pour toi. Nous allons prier pour la parole.